Les pays proches de la région qui ont une très bonne connaissance du dossier du Sahara marocain sont appelés à contribuer à une perspective de solution. Ce sont les mots du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il s'exprimait ce vendredi lors d'un point de presse conjoint avec la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Selon Bourita, le Maroc n'a jamais considéré que la position de Paris est négative, mais au contraire, rappelant que la France, qui est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour le peuple marocain et les forces vives de la nation, était pionnière dès le début dans l'appréciation et le soutien du plan d'autonomie. Durant les trois dernières années, grâce à l'action menée par le roi Mohamed VI, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions des pays proches de la France, soit géographiquement ou politiquement, a poursuivi Bourita. Le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif du processus onusien et non pas par rapport au processus lui-même, toujours selon le ministre marocain qui affirme que le processus n'est pas un objectif en lui-même, justement.